Et salut tout le monde, un grand plaisir de vous retrouver. Je me suis bavé dessus, wesh. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai encore postillonné. Ouais, j'ai grave problème. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas là pendant quelques temps, parce que je bave à plein tube en ce moment. Et du coup, vu que je bave, je ne peux plus faire de vidéo. Voilà, bon, on se retrouve sur Pass of Titan, comme vous l'avez vu, sur ce fameux serveur 1 et 10 Deathmatch. Je vous le conseille vraiment fortement pour tester les dinosaures. C'est ce que j'ai fait, j'en ai testé quelques-uns, et on va se retrouver directement in-game avec mon petit chouchou. Je vous avais dit que j'avais un chouchou dans la vidéo précédente, mais j'en ai un nouveau. Je vous montrerai tout ça, on est parti, let's go. Voilà, hein. Ça parle de soi-même. Regardez tout ce qu'il y a, voilà. Il y a à peu près tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup tryhard. J'ai quasiment testé tous les dinos en off. Et ben je vous ai fait ma petite sélection de mes dinos préférés. Alors le but de cette vidéo, je vous le dis, ça va être de vous montrer les forces et les faiblesses de certains dinos qui sont intéressants à jouer. Ceux qui sont là, ils sont quasiment tous intéressants à jouer. Sachant qu'il y a des dinosaures qui sont vraiment, mais alors vraiment nuls. Mais de chez nul à chier. On va commencer directement par mon nouveau petit chouchou. Alors c'est un dinosaure modé. Mais si vous pouvez jouer avec, je vous le conseille fortement. C'est lui, le mâle Zusheng Tyrannus. Il est juste incroyable. Regardez ce Dasplay qui est là. Alors est-ce qu'il bouge? Ouais non, il y a un Spino, il va m'agresser le Spino. Vas-y, ta gueule le Spino. Regardez le Dasplay quand je vais l'ouvrir. Viens là. Viens ici. Viens te battre. Si tu l'oses. Et les autres, ne vous en mêlez pas s'il vous plaît. Viens là, je cours plus vite que lui ou pas? Viens ici. Bon, il va pas venir. Il va pas venir. Tant pis. Alors, je vous ai expliqué, il y a quelques dinosaures qui sont jouables. Vraiment, d'autres qui sont d'un ennui mortel. D'autres qui sont juste nuls et injouables. Et toi, calme-toi, le Spino. En bafou. Toi aussi, en bafou. Voilà, c'est bien, battez-vous. Donc, du coup, je vous explique que ce dinosaure, il est tout bonnement incroyable à jouer. Bon, c'est un dinosaure modé, ok. Mais il est vraiment très très appréciable. En fait, c'est comme le Dasplay. Il casse la jambe et tout, sauf qu'il est solide. Il a des bonnes attaques, il a sa première attaque. C'est un coup de croc normal. Deuxième attaque, il casse la jambe. Troisième attaque, coup de queue. Et la dernière attaque, c'est un boost de défense. D'attaque. C'est un boost d'attaque, mais le boost d'attaque, il fait un peu laguer tout le jeu. Voilà, il est sacré, des rollbacks et tout, c'est pas terrible. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, on confectionne les dinosaures et ensuite on leur donne des habilités. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant dans le jeu, c'est que selon le dinosaure qu'on a, il est plus ou moins fort. Par exemple, des Daspletosaurs ou des Zusheng Tyrannus, on peut en avoir avec plus de défense, d'autres avec plus de vitesse, d'autres avec plus d'endurance. Et ça, je vous l'ai montré depuis quelques mois déjà, où on fait les tests des dinosaures. Donc ça, vous l'avez en tête. Maintenant, on va tester le Zusheng Tyrannus. Et vous allez voir un petit peu le carnage qu'il va faire. Bon, là, c'est un peu le chaos, là. J'aimerais bien essayer de me péter le giga, là-bas. Là. En vrai, c'est faisable. Hein. Même un néo-tricératops comme lui, c'est faisable. Bon, allez, je vais aller aider le Spino. Attendez, rendez pas fou. J'ai cassé la jambe ou pas du tout? Non, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Eh, le Spino, je t'ai rien fait, rends pas fou. Il me veut quoi, lui? Non, Spino, c'est à moi. Casse-toi. Oh, le petit bâtard. Petit bâtard, on n'attaque pas les gens couchés. C'est une règle. Bon, je vais me poser. Oh, il y a le giga qui arrive. What? Eh, le giga en bafou. Hein. Alors, je vais faire mon cri. J'espère que ça va pas laguer. Ça va pas rollback. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que ça rollback? Et ouais, ça rollback. Ça fait des micro-rollbacks. C'est insupportable. Ou pas? Voilà, toi. Le giga, j'ai cassé la jambe. Après, on passe derrière lui. Et l'autre con là, il m'a frappé. Regardez comme je le démonte. Regardez, regardez, regardez. Bon, il y en a forcément un autre qui s'y mêle. Mais putain, mais tu fais chier toi. Pourquoi tu es venu là? C'est grave. Mais bon, le giga, je l'avais démonté, mais... Vas-y, finis-moi, je te casse la jambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce que je peux avoir un 1v1? Oh, contre une Triceratops, en vrai, ça peut être intéressant. C'est pas du tout sûr que ça passe. Mais on va essayer. Enfin, c'est pas un Triceratops, c'est un Néo-Triceratops. Faudrait pas que j'ai les rollbacks. J'ai les rollbacks. Ça me fait chier, ça. Ça me fait chier. En vrai, c'est relou. Regardez ça, quoi. Bah, par contre, le jeu est vraiment, vraiment foireux de chez foireux. Les combats et tout, ça déconne à plein tube. Ouais, j'ai cassé la jambe, mais j'ai des rollbacks. Donc, du coup, je sais pas où je suis. Ouais, je suis derrière lui, ça va. What the fuck? Mais il se passe quoi, hein? Putain, oh là là, c'est grave. Mais je suis devant lui maintenant. Oh là là, c'est terrible. Mais lui, un coup de queue là. Ok. Ok, j'ai plus de rollback. Rends pas fou et meurs.
Oh, tu es relou, hein. Rends pas fou, il crève, en fait. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, on veut. Et là, en fait, vous venez de voir tout le problème du jeu. Les combats... c'est le bordel. Les mecs, ils te passent devant, ils te passent derrière, tu comprends rien, des TP, des rollbacks. Les combats sont pourris à cause des collisions du jeu. Tu sais jamais trop où tu es dans les combats et il y a quand même beaucoup d'aléatoires dans les combats. Alors évidemment, avec la maîtrise du jeu, on peut essayer de s'en sortir. Mais c'est très compliqué un combat terrestre. Ça, c'est un de mes top dinosaures. Après, je vais pas les classer par ordre. Il y en a un autre qui est très puissant, vraiment qui est exceptionnellement puissant dans le jeu. Et au Triceratops, très agréable à jouer, très puissant. Je vous montre que des dinosaures que j'ai testés et que je trouve vraiment très agréable à jouer. Vous allez voir, celui-là, là, comme il va mourir vite. Voilà. Toi, tu veux quoi, toi? Toi, tu fais quoi, là? Tu viens me battre? Tu as aucune chance contre moi, tu le sais, Fredo. Il se passe quoi, là? Il y a un lézard, là, qui m'embête. Allez, dégage. Allez, écrase-toi, le lézard. Tac, petit coup de queue. Petit coup de tête. Dégage. Casse-toi. Mais il prend pas ses coups, quoi. Voilà, très bien. Et toi? Toi, maintenant. Tu es mort. Voilà, dégage. Bon, après, vous comprenez, la bestiole, hein. La bestiole, voilà. Et là, par exemple, il y a trois types de bestioles. Il y a soit le normal... quand on fait le choix des dinos, soit avec plus de vitesse, soit avec plus de défense. Donc moi, je vous conseille la défense parce que c'est un dinosaure qui est censé tanker les coups jusqu'à tuer son adversaire. Typiquement, moi, j'ai fait un défense plus, vitesse moins, mais c'est pas très important la vitesse. Alors, on avance. Donc, il a la charge aussi comme ça. Vous voyez? Ça, c'est très puissant. Bah, quand tu rentres dans quelqu'un, ça le fracasse, hein, tout simplement. Ma deuxième attaque, le A, c'est un petit coup de queue. Le O, c'est une espèce de stomp, mais il faut être totalement à l'arrêt. Et le T, c'est un boost d'attaque aussi. Oh non, le stego, qu'est-ce qu'il fait? Honteux, il y avait le giga qui était au sol et le stego il le frappe. Et là il y a le Deinocheirus qui va s'en mêler alors qu'on lui a rien demandé. Et le Deino n'attaque pas le giga. Regardez ça, hein. Je vais aiguiser mes cornes. Paf. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Le stego il va exploser, genre. Il va exploser le stego, je vous le dis. Hein. C'est vous tous. Là c'est la charge. Mais ouais, mon pote. Mais ouais, mon pote. Ouais, mais ça lag encore, hein. Moi, j'aimerais bien te faire toi, là. Regardez le giga comme il va mourir vite. Bon, ouais, c'est pas très beau, mais... pas grave. Regardez. Et voilà. Et on peut tanker, hein, du coup. Hein. On peut tanker de ouf, hein. Vous avez vu ça? Est-ce que vous voyez la puissance? Bon, là, en face-to-face avec le giga, c'est pas terrible. Surtout avec l'autre qui me tape dans le cul. Vous avez vu comme je l'ai mis mal? Regardez-le, lui. Regardez-le. Dégage. Regardez-le. Le Sarcosuchus. Trois coups. Je suis en train de dire, c'est la puissance de Léo Triceratops. Il est incroyablement puissant. Il tank énormément. Il est quand même assez dynamique. Il met des coups qui déchirent tout le monde. Je pense que c'est un des plus puissants. Alors, il y a lui aussi, là, qui est trop puissant. Lui il m'énerve. Mais ça c'est pas... moi je considère pas ça comme un vrai dinosaure. Je suis désolé. Lui il fait trop mal. Lui c'est un délire, hein. C'est n'importe quoi. Toi tu crèves. Ah, ça y est, t'as abandonné. Loser. Voilà, en gros, Léo Triceratops, il sert à faire le ménage. Et puis, il est quand même assez dynamique. Alors il est très lent quand il marche. Mais il y a quand même ce petit coup d'accélérateur, regardez. Voilà. Et ça fait que ça le rend assez dynamique à jouer quand même. Franchement, il n'y a vraiment pas de souci. Il est très très bien joué ce dinosaure. Je vous le conseille fortement. Surtout en défense plus. Et le Triceratops, le Spinosaure est faisable. On peut le tuer en 1 contre 1. Alors il faut gérer, il faut pas qu'il y ait de bug. Bon là si j'attaque, je vais en avoir 3 sur le dos. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Bon, si vous voulez, on peut essayer. Allez, je sais que vous voulez que j'essaye. Alors on va essayer d'en amocher un le plus possible. Et vous allez voir ce que ça donne. Même contre un Spino. Spino, qu'il faut savoir, est le dinosaure aujourd'hui le plus puissant du jeu. Parce que c'est un tank. Et qui peut faire très très mal. Et d'ailleurs, dès que mon Néo Triceratops va mourir, on va prendre le speed. Bon, je vais aiguiser mes cornes, déjà. Voilà, j'aiguise mes cornes. Et toi? Voilà, toi, bon, il est déjà un peu entamé. Regardez ça. Regardez ça. Mais regardez ça. Regardez la puissance du machin.
Alors faut que j'arrive à me mettre derrière, mais ça bug à la mort. En plus il y a beaucoup de monde là. Moi je me fais poutrer hein. Mais quoi, il vient de se passer quoi là? Mais je comprends rien à ce qui se passe. Bon, vous avez vu que je l'ai mis mal, mais c'est vraiment le problème du jeu, c'est un bordel les combats. C'est un peu dommage. Alors maintenant, très puissant aussi, c'est lui, c'est le Spino, hein, tout simplement. Regardez les petits crocos là, ça va die. Voilà, coup de queue obligatoire hein, pour le Spino. Spino c'est pareil, c'est défense plus. Défense plus, hein, tout simplement. Alors le Spino est vraiment pas agréable du tout à jouer. Vraiment, mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Il est lent. Il est insupportable. Bon, attendez. Tu vas me saouler longtemps, toi? Allez, les crocos, là. On meurt. On montre aux viewers que j'ai raison. Jamais vous crevez. Je sais pas si c'est la bonne compo, par contre. Mes attaques. What? Ouais, je vais en défoncer un là. Braf. Eh, le Stego là. Attends, merde, j'ai raté. Il y a tout le monde contre moi, c'est trop. Barrez-vous. Le Spino, je vous le dis, je sais pas trop le gérer, hein, franchement. Je sais pas trop le gérer parce que j'ai pas trop joué avec. Je le trouve insupportable à jouer. Ben, vous le voyez, hein, c'est lent comme pas possible. Merci le concavenator de m'aider, c'est sympa. Bon, maintenant toi là. Viens là, viens là. Viens. On vient. Ouais, il vient pas. Bon, les attaques elles portent pas et tout. C'est un délire. Mais regardez, hein, j'ai deux Sarcosuchus plus un Stego. J'ai toujours la moitié de ma vie. Hein. Ah, il tire de retour toi. T'es sûr? Que tu veux? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est un camion le Spino en fait. Il est insupportable. Mais je sais pas si la grosse attaque elle est bien en fait. Franchement, je sais pas. Arrêtez-vous! Ça, je sais vraiment pas si c'est quelque chose de bien en fait. Aucune idée. Parce que regardez, c'est tellement. Il se retourne tellement doucement quoi. Et c'est hyper facile à contrer quoi. À part surprendre l'adversaire, je vois pas comment ça pourrait marcher. Voilà. Lâche-moi! Mais c'est de l'harcèlement! Lâchez-moi! Regardez le Sarco a failli recrever. Bon, le Spino est insupportable à jouer. Il est très puissant, c'est le plus puissant du jeu, je pense. Après, je sais pas si j'ai les bonnes attaques, mais je vous dis, c'est vraiment de la merde ce dinosaure. Ne le prenez surtout, au grand jamais, surtout pas. Ensuite, autre dinosaure qui est sympa. C'est lequel? Ta gueule. Voilà, sympa à jouer. Sympa à jouer, assez puissant. L'Alberta Ceratops. Bon, là, je vais attaquer le même Sarcosuchus que je viens d'attaquer. C'est pas grave, c'est de l'harcèlement, mais c'est pas grave. Il y a pas de souci. Si tu viens sur ce serveur, tu es prêt à te faire harceler par la même personne pendant 15 ans. Et vous allez voir le Sarco, je peux le démolir aussi très facilement avec ce dinosaure. Ce dinosaure, en fait, c'est vraiment une surprise. Je m'attendais pas. Viens là. Arrêtez, ne m'attaquez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Voilà. Je l'ai tué. Voilà. Et j'ai toute ma vie encore, hein. Vous avez vu que je me suis fait taper quand même pas mal de fois. Ouais, bah rentre. L'attaque, elle consomme de la stab, ça c'est pas terrible. Non. Regardez, même le Spino. Toujours tout le monde qui s'en mêle, hein. C'est un truc de fou. Évidemment, pareil, quand on crée son dinosaure, il y a trois possibilités, soit le normal, soit le défense plus et avec moins de vitesse, soit le vitesse plus avec moins de défense. Je lui ai mis, évidemment, défense plus, parce que dans tous les cas, c'est un truc qui va à 2 à l'heure, donc c'est clairement pas la peine de mettre de la vitesse à un truc pareil. Alors je vais essayer de tuer les gigas, je sais que c'est faisable. Vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire. Enfin, un peu quand même. Désolé. Si je suis seul. Mais ouais, mais y'a toujours un mec qui s'en mêle, c'est trop. Casse-toi le Spino, le Succo. Vas-y, mais meurs.
Casse-toi le stego. Viens là le giga. Viens là. Oh le triceratops c'est relou hein. Tu as mis un HP. Oh c'est comme ça que ça finit tout le temps, il faut le prendre du bon côté, c'est pas grave, c'est pas grave. Toi là, c'est toi qui m'as tué, je te reconnais hein. Voilà toi, mange dans ta gueule, en fait. Eh, quoi? Il a une attaque patte arrière aussi, du coup comme vous avez pu voir. Où j'ai fracassé cette petite crotte qui essaie de m'attaquer et qui m'a fait tout simplement zéro de dégâts. Je vais essayer de rattaquer un giga, il est tout seul lui. Lâche-moi. Voilà, il est mort. Eh, pas moi, hein. Pas moi. What? Le lag. Eh ouais, le giga, je suis trop fort pour toi. Je suis un tank, un micro-tank. Un micro-tank. T'étais pas prêt, hein. Tu voyais un petit truc. Tu voyais un petit truc, tu croyais que ça allait passer. C'est ça. Eh ouais, mon pote. Eh, laissez-moi juste combattre jusqu'à la fin. Laissez-moi le combat jusqu'à la fin, que personne n'intervienne. Voilà le giga, midlife, hein. Et encore j'ai pas super géré. Toi tu dégages. Et toi tu... Non merci, je veux pas me battre. Je veux survivre. S'il vous plaît aidez-moi. Mais non mais... Pourquoi tu m'attaques? Ah non, tu m'as pas attaqué. Désolé. Désolé, frérot. Bah, merci les refs. Merci. Bon, vous voyez que ce petit truc est quand même extrêmement puissant. Et il est aussi assez dynamique, grâce à sa petite charge aussi. Oh là là, c'est pas... Quand on est couché, ça c'est vraiment une honte. Ça c'est une honte. Ah, mais c'est le Styraco qui m'attaque aussi. Non, mais vous avez pas honte d'attaquer un truc au sol? À l'aide! Casse-toi! Honte à toi! Bon, de toute façon, j'avais fini avec celui-là. Vraiment dynamique et tout. Il est cool. Vraiment, il est cool, je vous le conseille. Il est vraiment sympa. Ensuite, bah, à voir dans la partie 2. Parce que j'ai vraiment joué longtemps, en fait. Je viens de m'en rendre compte au montage. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez beaucoup apprécié. Si vous voulez vraiment la suite, bombardez les pouces bleus. Évidemment, ça me donne de la force. Ça me donne de la force à la vidéo. Ça donne de la force à la chaîne. Donc, faites-le. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est. Tout le monde!